Bonjour, on est le lendemain. C'est pas du tout le même topo que hier. La maison, elle est beaucoup plus en désordre. C'est le dernier jour d'école, enfin, pour ceux qui sont au collège et primaire. Le lycée, il y a encore demain. Alors, on se prépare, on se motive, on essaie de ranger avant que la tornade arrive pour 2 semaines. La maison n'est pas au top aujourd'hui. Pourtant, hier soir, elle l'était à peu près. Et après, ça s'est un petit peu dévasté. Donc aujourd'hui, au programme, le salon. Donc on va dire globalement, c'est bon, mis à part les 2 tables, les couettes qui traînent par terre, ma tasse de café qui est là-bas. La deuxième est ici. Je ne sais même pas si j'ai fini mon café. Ça devrait aller vite ici. Là, c'est toujours pareil. Mon manteau, mon gilet, le néné. La brosse sur la table, la barrette, ça c'est ouvert, bien évidemment. Normalement, le bureau est assez rangé. Ouais, ça va par rapport à hier. Quelques trucs, voilà, à ramasser. J'ai étendu une autre lessive hier après-midi. Je pense pas qu'il soit sec. Non, il est encore humide. Donc ici, ça va à peu près. Ça sera fait en 15-20 minutes, même pas. La cuisine, bah voilà, les plateaux qui traînent. La cuisine est plus en fouillis qu'hier. Le lave-vaisselle est fait, j'ai juste à le sortir. J'ai ma vaisselle à ranger ici. Le manger d'hier de ce soir est prêt. Ça, c'est à ranger, comme d'hab, nettoyer le plan de travail. Si on passe à l'étage, si on passe à l'étage, bah c'est bof, hein? J'ai fait aussi tourner les draps de Momo. Donc ça, c'est fait. Ma lumière est allumée. Bah oui, on a dû aller chercher un truc chez moi. Donc, il y a les draps ici qui sont presque secs, mais bof. Ici, c'est pire qu'hier. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il cherche son linge. Il me fout tout par terre. Le linge sale n'est pas rangé. Celui-là, vous vous rappelez, je l'ai rangé hier. Bah, va falloir le re-ranger aujourd'hui. C'est malin, il n'a pas pris son trieur. C'est fatigant. Donc voilà, le lit à refaire, ouvrir les volets. Salle de bain. Bah voilà. Ça, c'est voilà, la serviette qui traîne, le gel, la brosse. On range rien derrière nous. Ça, faut que je le descende. Ça là, ça. Il est juste là, la poubelle. On met à la poubelle, hop, on met ça là. Non, bien évidemment. La chambre de la grande, elle n'a rien fait de plus. Non. Voilà. Donc moi, j'ai mon lit à faire. Faut que je range les pyjamas qui traînent. Ça, c'est à mettre sur des cintres ou à plier. Ma tasse est toujours là. Il faut que je la descende. Et ici, c'est un petit peu mieux. Voilà. Mes pyjamas qui traînent, juste faire les lits, remettre les peluches et le cahier d'histoire qu'elle a oublié. Ça, c'est pas mal. Quand je leur dis de faire leur sac la journée, enfin le soir, bon, je vais éteindre les lumières. Je leur dis tout le temps, faites vos sacs le soir, préparez vos habits le soir. Bah non, non. Hier, on parlait d'un truc. Elle a dit, oui, regarde, je l'ai sur ma leçon. Bah, on a regardé sur la leçon, hein. Fait noir, là. Ouh. Enfin, voilà. Donc, on va s'attaquer par le bas. Au cas où si quelqu'un vient, ça fait genre c'est rangé. Et on fera l'autre après. Il est présentement 9h43. Voilà, on ne le voit pas, non. Moi, je vous le dis, il est 9h44 maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, il est 10h moins le quart. Ma fille est partie plus tard, du coup, elle a pu mettre son petit bazar. On s'en va couper. Du coup, on va s'attaquer à tout ça. Je vous ai dit, on commence par le salon, la salle à manger, le bureau étant donné qu'il n'y a rien, cuisine. On monte dans les chambres et voilà. Allez, dernière journée de liberté avant que les démons arrivent à la maison.
du coup, il est presque 11h. Voilà, ça va faire une heure du coup que j'ai commencé. J'ai tout fait. Comme vous avez vu, il me reste encore des chaussettes à trouver. Il y aura juste à passer l'aspirateur en haut. Quand Monica aura fini en bas, avant que j'aille chercher les enfants, je la montrais. J'ai fermé toutes les fenêtres. Ici, nous avons Monica qui tourne. Quand j'irai à l'école, je jetterai le sac poubelle ici et les bouteilles. Et la bouteille ici, là où je vise mal, ici, qui est tombée. Je vais me faire mon petit café. Je vais arrêter là. Je vais monter la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Peut-être à demain. J'espère que demain, ça sera mieux. Je ne pense pas parce qu'on sera samedi. Ça veut dire qu'ils auront le loisir de mettre tout le fouillis qu'ils ont. Pourquoi je fais la chambre de Momo? Parce que sinon... Eh ben, ça va faire du désordre en plus, en plus, en plus. Le linge sale va s'accumuler et après, c'est moi qui va avoir du retard. Donc, je fais sa chambre. Oui, ok, il est grand, je suis d'accord. Mais après, c'est moi qui vais t'embêter. Donc, je préfère le faire moi-même. Irem m'a dit, tu touches pas à ma chambre parce que quand tu touches, tu mets tout à la poubelle. Ce qui n'est pas faux parce qu'elle a beaucoup de trucs inutiles dans sa chambre. Le bureau est rangé, j'ai des factures à faire cet après-midi. La vidéo a monté, le repas de ce midi, je sais pas. Je pense qu'on fera des œufs et peut-être des frites. On verra, ce soir c'est blanquette de veau, donc deux œufs et des frites pour ce midi, ça devrait aller. Quoi d'autre? Il faut que je change la litière du chat, que je commence à nettoyer mes coussins d'extérieur parce que je les ai ramenés, ils sont sales. Et du coup, il faut que je passe les petits, au moins les petits, les dossiers... à la machine, les gros, faut que je les fasse à la main, j'ai pas le choix. Et après, on les montrera tout là-haut dans le grenier. Parce qu'en bas, c'est n'importe quoi. Bon, mesdames, sur ce, je vous dis bonne journée, bon après-midi, amusez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous motive aussi à vous mettre à l'action. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Au revoir!